What's going on, guys? Et bienvenue pour le DLC de Fallout 4, Automatron. Donc on va directement se plonger dedans. On va continuer l'histoire, l'aventure de Wilhelm. Car on avait fini le jeu avec Wilhelm. Maintenant il est devenu un cyborg, moitié robot, et il va combattre des robots. Voilà. Petite parenthèse par rapport au DLC, il fait moins de 500 MO, donc je pense que c'est vraiment un petit DLC. Sur PC aussi, il ne brise aucun mod, j'ai eu aucun problème. Par exemple là, j'ai rien fait du tout, j'ai juste téléchargé le DLC et lancé le jeu, et tout marche, tous mes mods marchent apparemment. Enfin, on verra, parce que j'ai rien testé, hein, j'ai juste lancé le jeu, et j'ai vu qu'on avait un message comme ça. Commençait menace mécanique. Écoutez l'appel de détresse de la caravane. Donc voilà. Donc je pense, ça sera encore ma petite parenthèse, hein, mais je pense que le DLC sera très court et peut-être pas très très intéressant. En tout cas, je pense que le seul point intéressant du DLC, ça va être de pouvoir créer nos propres robots. En tout cas. Maintenant que cette parenthèse a été faite, nous avons notre nouvelle mission. Alors on va virer... Voilà, ok, on vire tout ça, c'est bon. On va se focaliser juste sur le DLC, bien sûr. Menace mécanique. Écoutez l'appel de détresse de la caravane. Bah c'est là. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ceci est un message d'urgence. Notre caravane est attaquée par des robots hostiles et a sérieusement besoin d'aide. Nous nous trouvons à l'est de Watts Consumer Electronics. Si quelqu'un se trouvant dans les alentours peut venir à la rescousse, qu'il se dépêche. Ada, répète ce message en boucle. À vos ordres. Ok. Ceci est un message d'urgence. Donc, trouver la caravane. Notre caravane est attaquée par des robots hostiles et a sérieusement besoin d'aide. Nous nous trouvons à l'est de Watts Consumer Electronics. Si quelqu'un se trouve dans Watts Consumer Electronics. Il se dépêche. Ada, répète ce message en boucle. À vos ordres. Attends, je. Ça, c'est le. Ok, le marqueur, ceci il doit être d'urgence. Droit devant moi. Radio. Ferme ta gueule, merci. Merci, ça fait plaisir. Non. West, Everest, non. Bon, on va suivre le... Ah, voilà. Merci, je me disais aussi. Ok, c'est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au château. Vite fait. Je vais juste prendre des armes, en fait. Récupérer un peu de l'équipement, tout ça. Vu qu'on est assez haut niveau, on va pas prendre des armes overpower, rien du tout. Hein. On va y aller doucement. Parce que je pense que pour un niveau 96, le jeu doit être assez facile, même pour le DLC. Donc on va y aller mollo. Et on va faire le DLC tranquillement. On va aller au château. Comme d'habitude, là on repart en fait sur de l'histoire. Donc on va éviter les téléportations, tout ça, pas de TP. On va utiliser le vertipter si on doit se déplacer. Enfin voilà, comme d'habitude, hein, vous connaissez un peu le truc, le dilemme. Vous inquiétez pas, pourquoi il y a autant de brouillard? C'est parce que aujourd'hui il y a du brouillard. C'est pas, c'est pas un bug du jeu, rien du tout. Non, c'est juste parce qu'il y a du brouillard. Voilà. On va peut-être dormir tant qu'on y est, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de brouillard, on voit pas à 2 mètres, c'est impressionnant. C'est grave impressionnant.
Et le château n'avait pas chargé. D'accord. Moi, je suis même passé. Et maintenant, il y a un chien à la de décharge. Ok, il y a quand même des trucs bizarres qui se passent. Il y a quand même des choses bizarres. Je pense que c'est l'interaction du jeu avec les mods. Mais bon, on va se débrouiller. Est-ce qu'on prend le fusil à gosse? Qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Un truc bien, mais pas qui défonce quand même non plus. On va peut-être prendre un fusil à pompe. Fusil à pompe, fusil d'assaut. Fusil à pompe, fusil d'assaut. Le gosse on le vire, le laser on le garde. L'arbalète on vire. Voilà. Est-ce que on doit virer des choses parce qu'on est un peu lourd peut-être? Non. Ok. Ok, je m'arme vite fait, vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps. Est-ce qu'on peut pas changer le viseur de ça? Ça va pas prendre longtemps, 5 minutes et après on y va. Parce que c'est vrai que je me suis pas préparé vraiment. Est-ce qu'on prend Curie ou pas? Oh, j'aime bien le viseur. On va pas prendre Curie, on va y aller. Permettez-moi d'observer et d'attendre. On va y aller. Putain, Curie, elle arrête pas de parler. On va prendre personne, on va y aller tranquillement. Que nous. Que nous, que nous. Ok, on a ça là. Toi, fusil d'assaut ici. On a le laser ici. Et le fusil à pompe, on va le mettre ici. Quoique non, le fusil à pompe, on va le mettre là. Le laser, on l'utilisera si vraiment on en a besoin. Analyser un Voilà. maximum de formes de vie indigènes dans un J'ai tout le temps faim. Salut, général. Salut, général. Ok, ça marche. On est prêt, je pense. On est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir vite fait. Alors, si vous vous demandez tous les mods que j'ai, la plupart seront dans la description. Bonjour mon amour. Mais j'en ai 108 à peu près, donc la description sera un peu trop petite pour tous les mettre. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Vertiptère, vous a été envoyé. Parce que nous, on travaille avec la confrérie. On va utiliser le fusil à pompe un peu. Ça fait longtemps que je... Ce qu'il me faudrait, c'est un fusil à pompe légendaire avec explosif, en fait. Qui tire des balles explosives. Ça serait bien, ça. Mais bon, on peut pas tout avoir. Général. Salut. Hein? Ouais. Où est-ce qu'il va se poser? On est bon. On y va, on est parti. On est parti. Donc on doit aller là. On va se poser à... On va se poser à l'antenne régionale d'abord. Tous les instruments sont ouverts. On est OK pour le Pas décollage. trop près non plus. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ah,
Parce que la caravane est quand même attaquée par des robots, donc on sait pas comment ça va se passer. Il va bientôt faire jour, donc on va avoir une bonne visibilité. Oh, il y a du combat là-bas. Là, les vertiptères passent toujours à travers les immeubles, ça a pas changé, c'est bien. Je suis quand même, pour revenir deux secondes, hein, après je serai dans l'ambiance du DLC, vous inquiétez pas, je vais pas radoter constamment. Putain, c'est vraiment chiant de passer à travers les trucs quand même. Ce que je voulais dire, c'est par rapport au mod. Le DLC ne détruit pas les mods, rien du tout, on fait aucun problème. Et on vient de perdre le son du vertiptère. Ça, c'est nouveau, ça. Ah là là, Fallout 4. Fallout 4 et ses bugs. Est-ce qu'on est bientôt arrivé au moins? Tu veux atterris là, parce que tu me fais paniquer, ton truc. Toi, je sais pas où tu vas aller. Voilà. C'est bon. Ok, maintenant on est dans ambiance DLC. Ok. Sauvegarde, hop. On se concentre. Nous arrivons bientôt à la caravane normalement. Mètres. Oh la vache. On va peut-être sortir ça. Robot et saint robot des. Ouh la vache. Détruisez les robots hostiles. Oh la vache! Ok. Putain, le recul sur ce truc, quoi. Combien de robots? Ada. Oh la vache! Lui il fait mal. Comme d'habitude, on est en mode survie. Donc, ok, on va y aller. On aurait dû peut-être prendre des armes un peu plus lourdes. Ou même y aller comment ça s'appelle? En armure assistée. On y va.
On va se droguer un peu, parce que Fallout nous a appris que les drogues, c'était la vie. C'était bien. On va prendre. Amenez-vous! Ça devrait suffire. C'est ce gros laser là. Oh la vache. Oh, le recul de ce truc. Toi, tu fais mal, toi. Oh la vache. Putain, c'est quoi ça? Il a des épées au bras. Beaucoup de radiation, l'explosion. Putain, il y en avait des choses sur lui. Vache. Bonjour. Mes amis n'ont pas survécu à l'attaque. Merci de votre aide. J'étais certaine de ne pas m'en tirer vivante. Tout va bien ? Les dommages physiques sont mineurs, mais je détecte de la tristesse et de la colère pour la perte de mes amis. Vous allez trouver ça bizarre de la part d'un robot, mais c'était ma famille. Encore merci pour votre aide. Je sais qu'ils vous auraient remercié. Eux aussi. Bizarre. On dirait que c'était ton jour de chance. Quel intéressant choix de mots. Je m'appelle Ada. C'est la troisième fois que des robots de ce genre nous attaquent. La mise à jour de mon arsenal et de mes capteurs effectués par Jackson n'a pas suffi à les défendre. Qui est Jackson ? Jackson était le chef de cette caravane. Les technologies n'avaient pas de secret pour lui. C'est mon créateur sous de nombreux aspects. Il a installé toutes mes améliorations actuelles. Malheureusement, elles n'ont pas suffi à les protéger des robots. Tu as été amélioré ? Oui, j'ai été modifié à l'aide d'un établi de robots conçu à partir de schémas prototypes et permettant d'effectuer de nombreuses modifications. Si j'avais plus de défense s'inspirant des robots sentinelles, j'aurais été en mesure de protéger mes amis de ces robots. Parle-moi de ces robots. Ils parcourent le Commonwealth et prétendent restaurer l'ordre. Nous les avons vus affronter des pillards, mais ils attaquent aussi des innocents, des colons, des marchands et des caravanes comme la nôtre. Nous savions qu'il y avait un risque de nouvelles attaques de robots hostiles si nous restions dans le Commonwealth. Nous aurions dû décider de partir. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester ? Notre caravane se spécialisait dans le commerce et la réparation mécanique. Le Commonwealth regorge de choses à récupérer qui nous intéressent. C'était un risque calculé. Eh bien, vous avez payé pour votre erreur. Votre apathie ne fait qu'accroître ma culpabilité. En guise de récompense, je vengerai mes amis et j'empêcherai ces robots de faire d'autres victimes. Le moment est venu de découvrir d'où ils viennent. Et d'affronter leur chef, le mécaniste. Le mécaniste ? Qui est le mécaniste ? Tout ce que je sais, je le tiens des messages de l'iBot. Il prétend servir la paix et la justice, mais c'est faux. Notre seule certitude est qu'il s'agit de robots de mort. J'ai besoin de votre aide pour arrêter ce mécaniste. Un esprit dangereux ne devrait pas exercer un tel pouvoir. En retour, je vous donnerai les plans pour construire votre propre établi de robots.
Vous bénéficierez ainsi de ressources supplémentaires. Tu cherches à te venger, hein? Je dois admettre que mon objectif est double. Arrêter le mécaniste me permet de protéger le Commonwealth tout en vengeant mes amis. Au nom de mes compagnons, je suis prête à me sacrifier pour mettre un terme à cette menace. Le dernier groupe de robots du mécaniste que nous ayons croisé se trouvait à l'usine General Atomics. Nous trouverons peut-être des informations qui nous conduiront au mécaniste. J'aimerais vous accompagner et vous assister. Tu es sûr d'être à la hauteur? Oui. Je ne m'arrêterai pas tant que le mécaniste vivra. Oui. Allons-y, Ada. General Atomics possède des pièces de valeur. Les robots s'y trouvent encore probablement. Bon, bah c'est... Je sais pas, je veux pas dire, mais c'est quand même bof hein, pour un DLC, hein, putain. Plan de l'établi robot ajouté, machin, etc. Vous pouvez maintenant fabriquer un établi robot. Ok, donc on peut... on va pouvoir créer des robots déjà. Je suggère de prendre tout ce que nous pouvons. Holoband de Jackson. Rien. Ok, on va écouter voir la holobande de Jackson. Si on la trouve. Holobande de Jackson. Nous avons croisé des robots hostiles aujourd'hui. Ils avaient été assemblés comme ceux que nous fabriquons sur cet établi. Le plus étrange, c'est que l'un d'entre eux n'arrêtait pas de parler du mécaniste. Qu'ils ont pour but de protéger le Commonwealth. Ouais, protéger, c'est ça. Nous sommes parvenus à les semer, mais ces trucs étaient dangereux. Shades et moi sommes retournés chercher un bras sectionné. Celui qui est là-dessous est un expert. Il pourrait même m'être supérieur. Je vais devoir améliorer les programmes de protection d'Ada et Hertz. Sympa, sympa, sympa. C'est où machin mécanique là, je me rappelle plus. Bon, je pense pas qu'il va avoir de nouvelles zones ou quoi que ce soit. J'avais un petit espoir quand même. Vraiment petit, hein, mais... T'as un sac à dos, toi. T'es vraiment bizarre, putain, tu ressembles à rien quand même. C'est quoi, c'est un laser? Hey. Oui. Vous voulez diminuer le poids de votre équipement? T'as rien sur toi. Bon, on y va. C'est où le machin? Oh putain. Inspecter l'usine générale atomique. Elle est où l'usine générale atomique, putain? Elle est là. Vertipter. On va y aller en vertipter. C'est moi où sa barbe disparaît. On va pas faire attention au bug.
Oh, où tu vas? Ah, tu vas pas me dire que tu fais le tour. Qu'est-ce que c'est chiant quand ça arrive, ça. Dans le vertiptère. Putain, il s'est placé où? Il s'est posé où? Là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas aller trop vite. Faut pas aller trop vite, ok? Sinon le jeu bug. Donc c'est là-bas. On va se poser conserverie. Bienvenue à bord, Sentinelle. Préparez-vous pour le décollage. Ada n'est pas avec nous. La mitrailleuse devrait être chargée et prête à tirer. Bonne chance. Ada n'est pas du tout avec nous, mais c'est pas grave, va sûrement se téléporter. En tout cas, pour ce qui est, parce que la plupart d'entre vous est sûrement intéressé en fait à construire des robots, et ça je pense que on est tous d'accord, hein, ça va être le point le plus intéressant du jeu, enfin du DLC. Je ferai des vidéos séparées pour construire les robots un peu, pour voir ce qu'on a, ce qui est disponible. Donc voilà. Ah, la vache. On sait même pas par où il passe, ce con de... Il fait juste une ligne droite en fait. Ah tiens, on a encore perdu le son qui s'est... Le son s'est arrêté dans un des immeubles en fait. Et voilà. Est-ce que Ada... Ada? Ada? Eh voilà, je l'avais dit. Hein. Donc nous y sommes. J'entends quelque chose. Ah, ça c'est des... Super mutant qui traîne dans le coin, c'est pas grave. C'est où l'entrée de General Atomics? Ah!
Terminal d'accueil. Note de service. Rappel à l'attention de mademoiselle. Hey. Avec le lancement de la nouvelle unité Miss Nani, nos clients sont probablement tentés d'apporter leur unité défectueuse à l'usine pour les faire réparer. Veuillez rappeler aimablement à nos clients d'expédier leurs unités défectueuses par le canot approprié. Ok, ça parle de... magasin, tout ça. Ouais. J'ai besoin de ne pas planter la prochaine fois. Hein. Beaucoup. D'accord, on s'en fout. Calendrier lundi 25 octobre. Visiter l'usine, comité 1, réunion des équipes techniques, buffet de glace des employés. Ok. Pas grand chose d'intéressant. Ah. Oh la vache. Ok, tu veux jouer au connard ? Font quand même vachement mal. Il y a quelque chose derrière. Oh putain. Oh, on est encerclé. Ah, tous les points rouges. Ils sont super résistants, les jeunes.